many roads must man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ton enfant doit-il faire avant de mériter des hommes? Combien de bleus pour l'oiseau sur la mer avant qu'au sable il ne se donne? Combien de guerres, de canons et de larmes avant que nos lois ne désarment? Pour toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi, la réponse est dans le vent. Combien de siècles aux falaises de rochers avant qu'elles ne sombrent sous la mer? Combien de siècles pour l'esclave enchaîné avant qu'il ne brise ses fers? Combien de siècles de regards détournés pour ne pas voir la vérité? Pour toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi, la réponse est dans le vent. Combien de fois lèverons-nous les yeux sans même entrevoir la lumière? Combien de fois aurons-nous prié Dieu sans même un regard pour nos frères? Combien de morts, d'enfants et de soldats avant de cesser nos combats? Pour toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi, la réponse est dans le vent. The answer, my friend, is blowing in the wind. Pour toi, la réponse est dans le vent. Francis Cabrel et Hugues Auffray, duo magnifique. Bonjour Francis. Merci, bonjour. Album New Yorker qui est un événement, cet album de duo. Francis, m'adresse à toi d'abord. Est-ce qu'on peut dire que Hugues Auffray et d'abord Dylan ont fait partie des artistes qui ont déclenché ta vocation? Est-ce que Dylan a fait partie de tes premiers auteurs? Ben justement, le premier album que j'ai jamais acheté, c'était Auffray chante Dylan. Tu vois, donc à travers Hugues, j'ai connu... le répertoire de Bob Dylan et ainsi de suite. Après, cette chanson, tu l'as chantée quand tu étais gamin? Et bien sûr, ouais. C'est la version anglaise. Et puis après, il y a une version française faite par quelqu'un d'autre. Mais donc, voici aujourd'hui la version d'Hugues. Je suis très fier d'avoir chanté là-dessus.
Alors, il était, paraît-il, tellement content de la traduction de son album, M. Robert Zimmerman, car c'était le vrai nom de Bob Dylan, qu'il avait l'impression que les chansons avaient d'abord été écrites en français et qu'il les avait traduites en anglais. Oui, c'est ce qu'il a écrit pour ce disque. Je voudrais revenir deux secondes sur Francis, parce que je trouve que la vie est formidable. Parce que, bon, moi, je suis né avant lui, donc... Oui, je suis né avant lui. Et donc, il a découvert, comme il le dit, quelque chose d'important dans sa vie qui lui a apporté quelque chose, qui l'a influencé. Mais je le prends ça avec beaucoup de modestie, parce qu'évidemment, c'est le génie de Dylan que j'ai un peu transmis. Mais par la suite, il a découvert Dylan en anglais et il sait à quel point, enfin je sais à quel point il l'admire. Et qu'il soit venu chanter à mes côtés dans ce disque, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et qu'on soit réunis aujourd'hui, grâce à toi, c'est un cadeau du destin. Mais il y a un casting exceptionnel pour cet album New Yorker. Un petit mot, il avait des rapports particuliers avec la France, Dylan, pourquoi ? Oh, Dylan, il n'est pas venu souvent chez nous. Hein. Il a chanté beaucoup plus à l'étranger qu'ici. Oui, c'est un peu dommage. Il faut dire ça avec beaucoup de gentillesse, parce que c'est vrai qu'en France, il donne deux concerts au Palais des Congrès. Mmh. Il en donne 14 ou 15 en Espagne. Oui. Et autant en Italie ou en Hollande, etc. Ouais. C'est un petit peu l'objet de cet hommage. Ouais. C'est grâce à Francis, à Johnny, à Eddie Mitchell, à Souchon, Woolsey, Vampass, je ne voudrais pas en oublier, Lavillier, Carla Bruni, Jane Birkin, voilà, ils sont tous là. Peps, en réunissant comme ça ces grands artistes français, c'est pas un hommage du gaufret à Dylan, c'est un hommage de, je dirais, de la France à Dylan. Est-ce qu'il t'arrive encore de chanter Dylan avec tes copains pour tournée? Tous les jours en tournée, l'après-midi, au lieu de chanter mes chansons pour régler les différentes guitares, les différents niveaux, je fais en général un ou deux titres de Dylan. Moi, je connais ça par cœur. C'est sa gymnastique musicale. Alors, moi, c'est Brassens. Leur actualité, après le triomphe au Grand Rex, il y a quelques jours, Hugues revient à la Cigale 10 et 11 avril. Et puis d'ici là, je crois que cet album New Yorker aura fait son chemin, parce que le bouche à oreille et les réactions sont déjà exceptionnelles. Quant à notre ami Francis, des roses et des orties, le DVD de la tournée est dans les bonnes pharmacies. Voilà. Vous prenez le vaccin à Chanana et les deux albums. Merci, on les applaudit tous les deux. Je retrouve maintenant Sylvie Vartan. Merci.